Les passerelles de Bonfi et Coloma, construites par le ministère des Travaux publics, ont été ouvertes cette semaine aux populations. Nous avions assisté à l'inauguration des deux infrastructures et dans la foulée, nous avons interrogé le premier à gravir la passerelle de Coloma précisément. Yansani Malika, je suis caméraman de profession aussi comme vous. Je suis le premier à traverser, sur le pont. C'est vraiment une fierté pour moi. Je suis vraiment content. Du fait que je sois la première personne à monter sur cette passerelle-là. Non. Je suis vraiment content. C'est une très bonne chose. Et le conseil que je peux donner, ça c'est pour nous tous. On doit garder ce bijou. C'est-à-dire qu'on doit considérer que ça c'est fait pour nous. Pas pour quelqu'un, mais c'est pour nous. Vraiment, je suis très content. Merci bien. Merci. Un des travaux routiers que le département est en train de mener il y a plusieurs mois, et cela se passe à la plus grande satisfaction des citoyens et conseils de quartier. Vraiment, le travail que Moustapha Naïté en train de faire, depuis 60 ans, on a à Conakry. C'est le meilleur travail. C'est le meilleur travail. Le goudron là, ça c'est zéro. Mais ça, c'est le meilleur travail. On le félicite. On veut le sang paraître comme ça. L'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. C'est ça que le président Sékou Touré a dit. Mais on vient seulement, on diminue le goudron. Mais ça, c'est le meilleur travail. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est le meilleur travail? Parce que le travail, ça fait 60 ans, c'est déjà à Conakry. Vous savez, d'abord, sauf le riz. Après, le riz, c'est le riz qui ont fait. Donc, ça là, c'est ma première fois, dans 60 ans, je suis à Simbaya, à Conakry ici, c'est la première fois. Parce que nous, on contrôle, les gens, ils travaillent, nous, on leur contrôle ici, personne ne me connaît. Nous allons parler d'alimentation à présent. Dans le monde, selon le site Le Vif, un tiers des aliments destinés à la consommation humaine sont gaspillés. Le volume des pertes alimentaires s'élève à 1,6 milliard de tonnes au niveau mondial, ce qui équivaut à 3,3 milliards de tonnes de gaz à effet de serre rejetées chaque année dans l'atmosphère. Alors, en Guinée, nous connaissons cette réalité, mais sous d'autres formes. Tenez, si vous avez bien remarqué dans les marchés le long de nos routes, les résidus des marchandises, notamment des fruits, pourrissent pour des raisons multiples. Le transport, la route, le prix. Nous avons rencontré une commerçante. Avec elle, nous avons tenté de comprendre. Elle vient du sud de la Guinée, en langue dialectale. Nous l'avons interrogée. Onga waya sozogui ka. Awa. Merci. Et ngridi. Hein? Ngridi naka. Nta. Yo. Ngridi zanete. Ah, zanete minse? Zanete ko evogi. Zanete ko evogi? Ah. Oga gi banani ya bla bla de. Wala ba ma di. Ala mané mo ga mati sulu di mi. Nani di mi. Comme à toi faire ici à Kanaké, à bas la Kanaké là là, monte à toi le fener. N'as-tu la bague? Qu'il a na mufangé, et ben améka. Yo mbla me. Aha. Maintenant, il faut la bas ma dit tantôt ça n'est dit. Nana la moi m'a tifé, sur nani semi, ça va semi. Et ben toi mon père de fener. Nungala autologi la Guinée hein? Alpha Condé, alama aga autotongo, akanyere konata avion na tongo ma amukira to ma de. D'autres ont trouvé mieux, elles vendent des noix de coco. Les bien. Salut bien. Et comment vous vous appelez? Mon ami m'a dit. Je dis comment tu t'appelles, ton nom. Comment tu t'appelles? Votre nom. Votre nom. Vous vendez quoi? Vous vendez quoi? Tu vends quoi? Tu vends quoi? Vous vendez coco? Vous vendez coco. Je dis si tu vends coco. Il dit si tu n'as coco. Je dis est-ce que vous vendez coco? Je vends de coco. Vous êtes vendeuse de coco? Eh, madame, on va regarder le temps pour ta canada. Ils ont un amatif. Coco. Donc, celle qui vend le coco, comment on l'appelle? Na coco, on a amatif. Une personne qui vend le coco, c'est de quoi? C'est un coco? Elle ne dit pas de la coco. Je dis, une vendeuse de coco est un coco ou bien est une coco? Elle vend de la coco, il t'a dit, ta coco. Donc, vous êtes coco? Sa coco. Ok, merci. Hein? Ah, merci. Il est petit, il pèse seulement 25 kilos, il est bilingue, il est drôle. Kougouri est une des étoiles montantes de l'humour en Guinée. Kougouri, alors, pour ceux qui cherchent à savoir ce que c'est, ça veut dire punaise de lit. Il est l'invité d'Alpha Omar Baldé Yacouba Traoré. C'est dans l'interview de Cali. J'avais eu, comment dire, l'opportunité de m'intégrer dans la comédie depuis que je faisais la troisième année à Beaufort.
À l'école primaire. L'école primaire du centre de Beaufoy. Donc là-bas, on faisait des compétitions théâtrales, classe par classe. Donc c'est là-bas que je me suis vu dedans. Donc quand mes amis me voient seulement, comme on appelle, à la récréation, ils se mettent à rigoler. Même s'ils me voient, quand ils voient ma face seulement, ils se mettent à rigoler comme ça. Parce que moi, c'est comme ça que je me suis intégré dans la comédie. Mais tu avais un autre rêve, tu voulais devenir quoi si quand une fois Dieu m'a créé avec beaucoup de choses. Par exemple, Dieu m'a créé avec de la comédie, de la musique. Quand tu me vois faire le choral, tu vas penser que je suis chrétien. Ah, tu fais la chorale? Mais je fais tout. Hein. Vous voulez que je chante ou bien je fais comment le choral ou bien je fais tout ce que tout. Vous voulez. Hein? Tout ce que tu peux. Dunia. Attends, tu dis Dunia dans affaire d'église. Dunia. Quand tu veux chanter Dunia comme un opéra, tu le chantes comme ça. Donc tu chantes l'opéra, tu chantes la chorale de l'église. Ah ouais. Dunia, comment est-ce que tu as appris ça? Oh, Dunia. Dunia. Où est-ce que tu as appris ça? Moi, ouais, j'ai appris, ça vient de moi. Tu vas à l'église ou bien tu l'as appris? Ça vient dedans. Il y a quoi d'autre que tu vas nous montrer aussi? Hein? Il y a quoi d'autre? Il y a quel autre talent que tu vas nous montrer? Qu'on a créé un bourteage. Woto feignan togororo. Amoto muna musigama. Iwa ma taxi honfira gereson. Ouais. Comment on appelle? Je suis polyvalent dans tout. Parce que quand tu me vois animé dans une boîte, tu vas croire que je suis Didier. Comme tu le dis, ouais. Il y a vraiment du talent. Ouais. Et j'ai aussi appris que tu as fait le tour du monde. Tu es allé aux États-Unis. Yes. I'm calling you didn't get started. Tu es pressé de que j'ai dit les États-Unis. Yes. You're going to run from États-Unis à America. You take your game, say you can for like of Guinea. Take your line down the Ryan and say. I'm a lot in the game when I say again Donald Trump again, so again people state America. I start shot the game around, my brand is saying again around, everything around the second round, my light and the gun of profit, the gun going to profit, the gun around, my light and the gun for money. I'm taking away again around, a lot of gun for money. This is very interesting because I speak English too and I don't understand what you are saying. What? I don't understand. I speak English. Yes. But I don't understand the things you are saying. Iden na bi wen. In English from Iden na bi me wen. Because you want English from Akil man. I say. I speak English, uh-huh. And I'm very pleased to meet you, yeah. Because I have heard that you speak English too. So I didn't understand the things you are saying. So long tang afi for fi natang. Tu comprends plus anglais ou non? I don't know. When the man anglais and kill mara, I don't hear again the warm light and forward. Many do it so you get by this. You what I'm saying? You can do when the rain so you can do right everybody guinea step taking the warm a lot again for money. I'm taking the wind, you can have a difference here again warm. I take that, sir. What an anglais and the mutana da kill mara. Touch a fell anglais, moi je fais state. C'est pas la même chose, mon frère. C'est vrai que les Anglais, là, tu trompes les petites filles dans le quartier. Non, c'est pas ça. Avec les femmes anglaises, mon frère national, qui l'a mis à terre là. Voilà, ici termine ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Nous avons été très heureux de partager ce moment avec vous. Vous allez passer un excellent week-end et nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro. Au revoir.